déjà 7h dans tout studio télévision nationale d'Haïti, Delma 33 Port-au-Prince. Bonjour Haïti, bonjour, bonsoir le monde. Nous comptons ensemble avec aujourd'hui, mercredi, pour capable présenter toute information qui a dominé l'actualité. Rapidement, mes grands titres. Programme Kaipama Cléré Rivé dans la commune Anse-Rouge et zone Bédorange. Un programme qui rentre dans le cadre Vision Président République Jovenel Moïse pour faciliter la population dans divers coins dans le pays à avoir accès à courant électrique. Membre commission éthique et anticorruption dans le Sénat République là, chita parlé à Yemadi Simasla avec ministre économie et finance Judas Alex Patrick Salomon, qui te gen ak li directeur général, direction générale impôt DG Emirat de Morland. Dossier contrebande, fraude fiscale et dossier franchise douanière te nan mitan discussion yo. La police nationale d'Haïti organise mardi 6 mars la nan Académie nationale la police la ki chita sou fwè commune Pétionville yon atelier sensibilisation sou violence ka fèt sou fama actifi en Haïti. Atelier sa gen pour objectif pour provoquer une prise de conscience nan mitan divers acteurs dans la société haïtienne. Et puis à l'étranger dans pays États-Unis, Gary Cohn qui se conseiller économique président américain remet démissionni hier mardi dans poste li. C'était une pi important conseiller Donald Trump démission sa longe liste personnalité qui quittait bateau administration Trump là. C'est point ça yo avec toi n'a gagne pour capable porter pour dans journal là n'a pas de coup pause pas déplacer n'a tourner. Merci pour fidélité et attention. Bon mercredi sur télévision nationale d'Haïti. Rapidement, mes développements grand institution, président de la République, la Jovenel Moïse, après poursuivre avec un programme Kaipama Cléré dans tout le pays. Commune Anse-Rouge et zone Bédorange bénéficient pendant le week-end passé un programme CELA. Anne-Marguerite Auguste et Kevin Pierre a présenté nos reportages. Pleine de labres, magasin Les Rois dans Anse-Rouge et puis localité Crève dans Baie d'Orange qui bénéficie programme Kaipam Cléria. J'ai ça traduit volonté chef l'État pour mettre tout le monde dans lumière d'après parlementaire yo. D'après yo, mettre courant dans zone reculée yo c'est plus bon engagement. Président Jovenel Moïse te kapran en faveur moun sila yo. Yo croit énergie c'est un point fort développement yo pays, ça qui pral aider changer comportement vie moun sa yo et puis permettre yo participer nan effort k'ap fait pour augmenter économie pays a. Moun yo vraiment très content et gen des moun qui gagne même presque 90 ans et moun sa yo di c'est grâce avec président Jovenel et député Edouanel Chéri qui fait j'ai éclairé depuis existence. Nous pensons que son bel programme que lié nous mandé tout piga gouvernement campé avec programme ça si moun yo pral gen opportunité là pour étudier normalement et me souhaite que gouvernement continue programme avec plus agressivité et pour l'autre communauté ça yo ka joine pour ka bénéficier courant ça que son opportunité pour moun yo gen courant 24 sur 24 bénéficiaire yo remercier président république là pour accompagnement ça selon yo en pile nan yo ka vivre dans zone reculée yo passer yon bon parti nan vie yo nan fè noir. Ça qui limite activité économique yo. Di président merci en pile parce qu'il a fait bon travail dans zone nan bon lumière pour me clairer qu'on pas marcher m'a casser les orteils pied merci pour tout. Limé a limé la caille moi la pour ti moun étudier pour me faire travail moi le soir pour me faire tout bagage pour me ti pour charger téléphone pour me faire la caille moi. C'est première fois nous on va comme ça représenter dans zone nous parce que chaque président monter chaque député monter va jamais jeune ça. Je dis à ces nèg la caille qui fait ça. Je dis à nous content nous remercie. Et débuté à tout président. Achetez l'homme 20, jeudi, demain, tu m'y crasé. Ou achetez. Qu'on y a nous bien, qu'on y a nous bien. Grâce à président Jovenel Moïse, avec député Edouanel Chéri, qui mettait dit la tête grise d'apnée qu'on a plu, mais il y a des gens qui ont pour la caille. Je dis, président, merci à tous les députés. Président Jovenel, depuis la campagne, son président qui m'a remis en pile, malgré ma gueule, je peux voter, mais j'espère que depuis le tour de l'élection, dans le jour qui vient, dans l'année qui vient, moi-même, je peux voter. Assoir quand moi clé ma petite plus facile. Oh, quand me content de faire noir de. On y a une lumière, président, on lumière.
Merci. Si vous n'avez pas qu'à dire nous qui Jovenel, merci. Parce que l'immédiat, il n'y a pas à apprendre plus bien qu'on est, il n'y a pas à étudier. Nous disons merci, nous te votons pour ça. Son nègre éclairé Jovenel. Merci. Et nous espérons, nous jeunes toujours. Plusieurs séances formation ont été organisées en faveur bénéficiaires pour permettre de bien comprendre l'appareil qu'ils peuvent utiliser. C'est pour raison ça, technicien qui fait installation yo qui anime séance formation ça. D'après directeur général autorité nationale régulation énergétique là, Evanson Calix, lui expliquer yo formé technicien dans zone bénéficiaire yo pour assurer suivi n'importe qui panne appareil yo tabay. Programme ça fait partie de programme électrification et tout pays hein. Là nous dans zone côté kayo gay en pile, côté ou pas alimenter kayo et à travers un réseau électrique. Là, on a alimenté à travers un système solaire individuel qui gagne là-dedans le 4 ampoules et puis un port pour charger téléphone yo, et puis ensuite un poste radio. Donc là, ça fait partie dans c'est un axe dans programme électrification paysan que me toujours aimer rappeler qui gagne trois grands axes là-dedans. C'est 1000 familles dans zone ça qui bénéficient appareil pour mettre courant la caillou. Système éclairage ça pour aider moun yo pi bien fonctionner en dedans la caillou et puis prendre l'autre décision qui ca participer dans changement la vie yo. N'a quitté pouvoir exécutif là, nous pourrions aller au niveau de pouvoir législatif là. Président Chama, député Garé Bodo salue décision gouvernement prend pour exiger toute transaction commerciale qu'a fait en deux pays en goudre. Cependant, parlementaire a dit doué gagner yon chita parler qui fait ensemble acte qui implique dans question pour capable éviter trois problèmes. Il y a une extrême déclaration. Le gouvernement ne va prendre aucune décision parce que la constitution est claire. La monnaie nationale, c'est la goutte. En plus de ça, il y a un décret 89 qui était déjà dit toute transaction supposée faite en goutte. Donc moi-même, mon petit Jean étonné. Pour me dire qu'il y a arrêté parce que c'est débat qui existait déjà. Peut-être que arrêté a vint rappeler et sa constitution a dit, vint rappeler qui ça qui dit dans le décret 89 là. Donc force est de constater que ça fait un pile remous, me dire notre forme économique secteur privé. Donc ça m'a demandé, il faut que chita. Parce qu'on n'a pas qu'à payer tout pour travailler un goud, pour payer caillou en dollars américains. Donc je disais, donc tout problème ça a eu de l'économie, donc c'est pas un bon bagage. Non, c'est une décision qui ne peut pas être comme c'est Mdazou automatique parce que nous avons 30 ans n'a violé la loi parce que son pays qui fait à peu près en 2017 4,7 milliards de dollars d'importation, son pays côté nous importer en pile. Donc, il faut dire que ce n'est pas une décision qui pourra appliquer aussi rapidement. Je pense qu'il faut qu'il y ait un dialogue, il faut qu'il y ait un moratoire qui baille. Parce que rapidement, il y a des gens qui commencent à faire spéculation sur le marché. Même l'État a fait spéculation. Parce que moi, je suis maintenant à l'époque là. Désormais, si vous avez 2 dollars américains, vous êtes capable de faire passer à 100-150 gouttes. Donc, 1 dollar américain pour les gens qui travaillent dans l'époque là égale à 75 gouttes. Rapidement, nous avons une spéculation. Et tout. Non, je ne vais pas parler de entente pour ça, la loi dit. Mais la loi, c'est le monde qui fait pour l'application. La loi avait déjà existé. Donc, arrêtez de pas porter rien de nouveau. La Constitution dit que la monnaie nationale, c'est good. Le décret 89 a déjà dit que le prix doit afficher un good. Donc, pas rien de nouveau qui porter. Sinon, il y a une volonté de gouvernement pour faire respecter la loi. N'a toujours été au niveau du Parlement haïtien qui est à Port-au-Prince. Et je nous ai dit dans grand titre, membre de la commission éthique et anticorruption dans le Sénat République. Là, je suis parlé hier mardi 6 mars avec le ministre économie et finance, Judas Alex Patrick Salomon, qui était ensemble avec le directeur général, la direction générale Inter-Impoa, DGI, Mirade Molan. Dossier contrebande, fraude fiscale, franchise douanière, tenamita discussion. Yo. Président de la commission, sénateur Yuri Latortue, fait connaître l'État a perdu environ 50 milliards de gouttes à cause de contrebande, fraude fiscale et franchise douanière. Commission la dirigeant a enquêté sur question ça pour capable produire un rapport par l'Assemblée sénateur pour capable corriger la situation si là.
d'après ça, sénateur la Timonite l'an fait connaître. L'étonnant micro Fedner Confident avec Moïse Rubic. Comme je dis, c'était première rencontre. Nous avons dit commission éthique et anticorruption avec le gouvernement. Rencontre ça, nous faisons, c'est sous trois points que nous avons déterminé que nous allons travailler sur eux. C'est la contrebande, la fraude fiscale et la vérification des franchises. Nous parlons de trois sujets, ça, nous avons demandé état des lieux. Par exemple, nous avons des données sur la question de contrebande, là, comment lier dans le pays. Et nous arrivons, peut-être, mettez-nous d'accord. Sous frontière là, il y a 40 à 45% peut-être de produits que la douane taxe, mais il y a tout ratio que n'est pas taxé. Donc ça veut dire que la commission pourra le garder justement sur le terrain après pour qui problème, en plus de problème que vous dit et qui ça vous doit faire. Ça, c'est au niveau de la contrebande. Au niveau des franchises, ça nous est, c'est que année ça surtout, il y a environ 10 391 millions. De goud qui allait dans franchise. Alors, plusieurs de ces secteurs, le secteur ONG, les franchises diplomatiques, les agriculture. Donc, nous te dit, puisque en général, franchise a été bail pour favoriser par rapport à la loi sur investissement pour que vous créé travail, et c'est comme ça que l'État a perdu, parce que Jean-Ministre de Finances a dit, 10 milliards de goud là, l'État a supposé payer la douane comme là. Mais l'État n'a pas payé, donc c'est 10 milliards de gouttes ou 7 que l'État va entrer. Est-ce que les créés vaut ça ou bien est-ce que par exemple l'entreprise qui bénéficie de franchise là qui va donner difficile? Donc nous demandons à ce que dans 8 jours, pour nous gagner une liste toute entreprise qui gagne franchise ou ONG pour nous vérifier, garder, parce que l'État n'est pas là pour le payer du cob. Il faut que l'on l'ordre qui mette dans la question. Nous parlons de fraude fiscale tout. Et fraude fiscale là, nous sommes situés dans l'entreprise qui gagne plusieurs. Bilan, yo, plusieurs états financiers. Yo gen yon pour DGI, yo gen yon pour la banque et yo gen yon pour international. La. Donc nous demandons comment que, à partir de banque, nous allons vérifier l'état financier ça pour que ce n'est pas l'autre qui va DGI pour l'entreprise à pas payer moins. Ça veut dire, là nous gardons la question ça, comme nous dépensons dans la franchise environ 10 milliards, 400-500 millions de dollars sous frontière, l'homme est dans le goût, c'est-à-dire multiplier justement par 66. 600 millions, c'est 6 milliards. C'est clair, presque 30 milliards. 10 milliards dans ça, ou qu'a dit que, ou ap chèchi là, eh bien, soit là dans la fraude, soit là dans la franchise, soit là dans la contrebande. Donc, il dit que ton l'état faible, cap mandé, et on l'état, côté nous qu'a dit, et nous reconnaître là, bien, on système, côté nous qu'a dit, un petit groupe qui bénéficie de tout baisa. Nèg qui fait contrebande. C'est lui qui a de l'état financier. Est-ce que vous comprenez? Et puis, c'est lui le plus souvent qui a franchi. Donc, ça veut dire que faut qu'on l'autre qui mette dans ça. Parce que 50 milliards là, ce n'est pas peuple là, non? Moi, je dis comme si le peuple là passait dans le peuple là, passait dans un petit groupe et que l'État doit arriver justement à rejoindre comme ça. Et toujours dans le cadre de la rencontre, c'est la ministre économie et finance, Jude Alex Patrick Salomon, ce mot parle, dit lui reconnaître dossier contrebande dans représenter un gros défi pour le pays d'Haïti. Concernant dossier franchise douanier, ministre Salomon fait connaître, gagne ensemble franchise l'État haïtien par organisation non gouvernementale qui c'est un engagement international. Gagne une décision qu'apprend pour capable vérifier si pas gagne mouna qui gagne franchise mais qui pas mérité ça. D'après ça, ministre l'an fait connaître. Toujours dans le micro Fedner Confident avec Moïse Obic. Contrebande général. Président a expliqué ça lié, mais li gagne en réalité particulière tout, c'est que dans contrebande là et gagne zone qui bénéficie au par rapport à l'espace national. L'op garde l'op goumen contrebande par exemple, li clair que dans zone qui bénéficie ou bien côté contrebande implanté, toujours gon gros résistance tout pour lutte contre contrebande n'a pas abouti tout. Et c'est là appui ensemble autorités régionales yon important, notamment autorités qui dans le Sénat ou dans la Chambre des députés. Et donc ça leur conjonction entre deux espaces
national Zaïwa, le législatif et l'exécutif, c'est le meilleur moyen pour assurer nos réussite dans le combat. Ça. Nous-mêmes nous engagés, nous avons des actions menées, tant dans Douane Belader que Wanamet et ainsi de suite, et nous avons continué surtout avec le fait que nous sommes certains que nous avons appui ensemble Parlement pour combat ça a mené dans son ensemble. Pour ce qui a trait à franchise, c'est vrai que franchise a 10 milliards, mais quand je ne t'ai pas expliqué, il y a des franchises qui baillent, c'est dans le cadre de dit, engagement international l'État haïtien, donc on ne peut pas retirer, c'est des engagements réciproques de l'État haïtien, particulièrement les franchises diplomatiques. Donc, il y a des franchises qui baillent, c'est par rapport à la loi sur promotion d'investissement, et c'est ça, président de la commission en table d'île. Il faut que nous gardions, premièrement, est-ce que les franchises ne sont pas trop généreux, et est-ce que le résultat est probant. Résultat probant, ça veut dire, est-ce que quand vous perdez, quand vous pas collecté, hein, est-ce que c'est comparable à montant qu'on rentre par rapport au travail qui t'a créé, par exemple. Donc, c'est des éléments que nous avons approfondis ensemble tout pour nous garder si il y a des textes de loi qui peuvent gagner pour amender. Notamment, textes de loi sur promotion d'investissement, si nous avons gardé. Gagner des franchises qui baillent des institutions non gouvernementales, notamment les ONG, il faudra bien comprendre si, et nous avons dit, qui efficacité action institution non gouvernementale ça yo et est-ce que niveau d'activité que a peine est-ce que li n'ta ka di et permettre justifier franchise ça qui accordé a donc tout ça yo c'est des éléments que nous pral approfondir ensemble. N'a toujours été dans le Parlement haïtien, maman commission affaires sociales, dans chambre député a rencontré hier mardi 6 mars là, ministre affaires sociales et travail Stéphanie Auguste, à directeur général ministère cela Rudy Erivo, ensemble avec coordonnateur office national migration Eude Lajoie. Fonctionnement ministère affaires sociales et travail avec ONM tenamitan discussion yo. Directeur caisse assistance sociale là t'est invité dans rencontre ça tout cependant il pas t'a présenté plusieurs parlementaires exprimé préoccupation sur fonctionnement ministère affaires sociales et travail à qui on série direction qui en bas ministère cela commission recommandé pour gain disposition qui prend pour capable corriger tout ça qui mérite pour corriger face à quoi le ministère affaires sociales et travail doit jouer dans la société haïtienne. N'a quitté le Parlement haïtien, nous prenons aller au niveau du ministère Conditions Femmes et Droits Femmes qui organise mardi 6 mars un atelier échangeant dans le cadre de la commémoration Journée internationale Droits Femmes 8 mars demain cap venir. Brasser l'idée ça vise faire promotion intégration femmes et garçons dans le métier traditionnel. Dalindo Rival à Kevin Pierre a présenté nos reportages. Métier pas gain sexe. Nous a fait travail femme et garçon égal égaux. C'est sous thème ça, ministère conditions femmes et droits femmes organisé un atelier mardi 6 mars là dans l'idée pour commémorer journée internationale femme yo. Dans cadre activité ça, ministère a présenté 16 femmes qui décidé faire métier qui généralement messieurs yo qu'on exercer. Unide innocent annoncé 65 jeunes femmes après formation dans plomberie, réfrigération et électricité. Selon le ministère conditions femmes et droits femmes, c'est un engagement administration Moïse et gouvernement Lafontaine pour faciliter l'intégration mesdames yo. Tout ça c'est par rapport à la politique d'égalité femmes-hommes que l'État haïtien a adopté depuis 2014. Nous connaissons journée aujourd'hui depuis la timoun yo l'école gagnon construction sociale qui fait yo levé timoun yo avec des stéréotypes en tête yo côté que yo voulez faire comprendre que gagne des métiers qui réservés pour filles gagne des métiers qui réservés pour garçons alors que nous même nous dit que et nous connaît que filles avec garçons yo gagne même potentialité yo gagne même cerveau des métiers pas gagne métier et pour filles pas gagne métier pour garçons c'est ça fait thème sous thème n'a et fait atelier sa journée aujourd'hui c'est métier pas gagne sexe dans question travail femme et garçon égal égaux.
Timothée Laura, c'est une professionnelle qui étudie électromécanique, lui fait connaître sa fait métier pas gain sexe. M'a dit pour oser chercher la vie hein tout côté. Dans métier pas gain sexe, pas gain fille, pas gain garçon, tout monde qui fait même bagaille, surtout yo relé. Bah ça veut dire c'est technique yo, c'est pas force qui fait, c'est technique. C'est apprendre bien et puis appliquer technique yo ba non hein, pour nous faire, nous pas besoin force pour nous faire les techniques n'a besoin. Député Gladys lundi, quoi en pile j'ai forfait dans ça qui gain awe ak égalité femme ak garçon. Jeune jodia, mais rete en pile l'autre travail pendant l'invité mesdames yo investi dans politique pour plus femmes dans toute partie yo en de pays ya. C'est garder qu'on y a la qui j'en a pral faire pour nous permettre que mesdames yo capable intéresser à la politique pour que l'histoire que la politique c'est l'affaire des hommes nan li nous commencer faire révolu pour nous senti une nécessité à ce que femmes yo investi espace décisionnel là et à ce moment depuis question quota li respecté et faut on mécanisme pour application quota parce que soit garder dans chambre nous que trois femmes donc c'est pour dire que il y a pile bataille qui méritait fait mais cependant c'est conscient pour nous concerner de situation yo il y a des problèmes yo évaluer yo et puis qu'on a nous même pour nous garder qui perspective et qui démarche que n'a pas à l'adopter en termes de méthodologie en termes de mécanisme pour que nous permettre que égalité ali vienne arriver parfaite. Ministère conditions femmes et droits femmes présente plusieurs jeunes femmes qui travaillent sous métier non traditionnel. Le ministère a continué travail dans l'idée pour faire femmes yo jeune plus valeur dans la société. Nous avons dit que la grande police nationale d'Haïti a organisé mardi 6 mars dans l'Académie de police qui est sur la commune Pétionville un atelier de sensibilisation sur la violence qui fait sous forme actifé par Boïsite. Atelier SAGE pour objectif provoquer une prise de conscience dans les divers acteurs dans la société sous violence qui fait sous forme actifé, d'après directeur général de la PNH, Michel-Ange Gédéon. Chef de police nationale d'Haïti a fait connaître atelier SAGE réunit plusieurs acteurs qui impliqués dans la bataille contre violence sous forme active ou société civile là, représentant organisation qui défend le droit de la communauté internationale là. Cette rencontre constitue une activité qui peut s'inscrire dans un cadre global d'activités ponctuelles pour sensibiliser les esprits sur les droits de la personne en général et les droits de la femme en particulier. Nous sommes encore un pays où le taux de violence faite aux femmes est parmi les plus élevés de la région. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous devons faire quelque chose. Tout commence par une sensibilisation tout azimut. Cette activité s'inscrit dans cette logique. Je suis particulièrement sensible à la question des violences faites aux femmes, entre autres, du fait de la mission de protection et de service dont la PNH est investie. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, le 8 mars prochain ramènera la Journée internationale de la femme. C'est donc en prélude à cette journée que l'activité du jour est organisée. Elle vise particulièrement à provoquer une prise de conscience plus large de nombreuses violences dont les femmes et les filles haïtiennes sont quotidiennement victimes, que ce soit à la maison, au travail, dans les transports en commun, dans les rues, etc. N'a prêté dans même CGS là, une partenaire atelier sensibilisation sur violence qui fait sous forme active. Pays Canada qualité important en pile pour réunir divers acteurs qui impliqués dans bataille cela. D'après représentant ambassade Canada par Boïsite, PNH la gagne un rôle capital la lidwe joué dans pote support by mesdames femmes actifies qui victimes dans affaires violence annoncée. Cette journée offre l'occasion de réunir les forces vives des personnes clés qui ont la capacité d'agir à différents niveaux, qui font face aux femmes et aux filles violentées tous les jours et qui ont une expertise sur la question. Comme vous le savez et êtes convaincus, la violence contre les femmes constitue une violation des droits humains
et des libertés fondamentales, en même temps qu'elle impose totalement ou partiellement des restrictions à la reconnaissance, la jouissance et l'exercice de ces droits. Cette violence est présente au sein des familles, dans les écoles, dans les organisations sociales, politiques et privées, et même dans la mentalité, souvent reconnue à travers les mœurs, les proverbes, certaines expressions artistiques qui la prônent ou la dénoncent. Permettez-moi de souligner que le rôle des représentants de la police est essentiel, et je répète, est essentiel pour soutenir les femmes qui ont le courage de dénoncer la violence dont elles sont victimes. Commissaire gouvernement Port-au-Prince, Maître Oknama Klame Damius, et sénateur l'Ouest, Jean-Renel Sénatus, recevoir mardi 6 mars là dans main Vedlina de Wisso, Timouna 11 mois qui était disparaître dans veille de nuit, Shalom Tabernacle la gloire depuis 23 février passé d'après maman Timouna. Vedlina de Wisso fait connaître maman petite là lui-même qui était quitté Timouna dans main la veille de nuit si là et puis il pas jamais tourné venir chercher lui. Commissaire gouvernement Port-au-Prince, Maître Oknama Klame Damius, fait connaître les pral questionner maman Timouna Silla avec dame là qui était kebe Timouna pour capable connaître vérité dans question. À nous suivre externe déclaration. Gagné de maman Timouna ça qui était dans radio et qui était dans paquet à tout hier qui t'a informé nous de Timouna ça qui t'a perdu, il y a pas de jambe jeune ni, c'est le dit que pendant dans l'église Shalom si mon était avec lui, donc l'a cherché li pas joindre il sorti dans toilette. Alors nous-mêmes en tant qu'autorité, nous te prenons disposition pour nous capable connaître de quoi il est question. Donc c'est en même temps moi-même, moi gagne sénateur qui tellement intéressé avec des dossiers, surtout c'est des dossiers de Timoun, la famille, sénateur a relé dans téléphone et puis nous gagne un informateur qui permet que sénateur au courant qui côté n'a joindre Timoun là, voilà. Nous vini là derrière rendez-vous 33. Et puis nous tout grand madame qui menait Timoun nan ba nous et qui dit nous il était gagné c'est maman qui était bali garder Timoun nan en attendant pour la l'acheter on lettre parce que pour la l'acheter on lettre elle est vire. Maintenant c'est depuis les ça il dit il va jamais joindre elle dit il était présenté dans DCPJ et puis nous gagné brigade de protection des mineurs qui était référé à bien-être social c'est ça le montrer moi. Maintenant moi même comme autorité on pas obligé première information que ban moi c'est lui pour me kembe. Ma pral gagner moi gagne présent juge de paix qui me demandé d'abord pour mal regarder qui côté Timoun nan terre ensuite mal confronter information ça yo entre maman et madame ça pour m'arriver gagner vraiment les vraies informations vraie version des questions et puis avant pour avancer pour nous connaître qui est-ce qui a gagne responsabilité la donne ou non. Toute société a tendance en ébullition avec le cri d'une mère au niveau de Radio Caraïbes qui t'a dit que au perdu petite, il perdu petite li dans cadre d'un jeune non veille de nuit que il t'est allé. Et nous même comme autorité et père de famille, ça t'a interpellé. Pendant journée nous recevons un appel de un citoyen qui là qui dit nous gen un monde qui wè ti moun non côté et que y a essayé localiser. Rapidement me dit quelle information ça, ban le commissaire gouvernement pour nous garder ensemble comment t'a faire intervention et pour t'a venir prendre ti moun non. Pensant que c'est un monde qui l'a volé, Timoun non. Mais là, nous arrivons, nous madame, qui lui-même a un papier dans la main, qui est bien-être social Bali, qui c'est un papier de garde provisoire qui est au Bali. Dans le papier, ça dit que Timoun non, tu n'as pas maman, le bail Kimbil, dans Shalom, pour l'acheter, on est levé sous forme de lettre pour Timoun non. Et puis depuis lors, maman, pas j'ai pas eu maman. Yo fait toute démarche à la BPM, à la police de Delma 33, aller dans bien-être social jusqu'à ce que yo accorde yo un papier côté yo bay ti moun nan ti jwet non Christelle Esther parce que li bébé yo pa konn non yo ballon l'âge et yo pa gen signature donc pour parents ça te ka kembe li. Effectivement madame ça tande question faire remou peut-être li fait un lien avec monsieur ça qui rele non qui permet moi même le commissaire là pour nous river dépister cas et joindre ti moun nan. Et heureusement, Timoun non, Timoun non, li en santé, mais le commissaire l'a pris pour le faire travail. Lui-même, du point de vue juridique, pour le faire lumière sur lui. Parce que Timoun mérite protection, ça a été interpellé toute
tout citoyen et toute autorité yo, et c'est travail ça que nous-mêmes nous venons là pour nous devenir faire. Vedeline Derouissol fait connaître maman petite là te quitté la mené depuis 12 ans. Février dans vers de nuit Shalom Tabernacle la gloire qui dans Nouvelle Delma. Depuis là ça il était mené timon dans fort dimanche après ça dans direction centrale la police judiciaire DCPJ jusqu'à ce qu'il y aller dans Institut bien-être social à recherche IBS qui bali un papier pour les capable garder timon sila en dans des déclarations. Lundi 12 février à 10h, nous allons jeune Shalom. Madame Moumoun Vinil dit nous qu'un petit ça pour lui la lâche en L9. Il pas jamais tourner. Nous fait lundi toute journée avec bébé non mais nous pas jamais moi li dans lundi après-midi jeune lagué tout monde à la caillou malé dans radio. Yo dit moi pas responsable si nous gon ti monde non mais nous aller fort dimanche. Nous dans maintenant jeune dans lundi soir radio Shalom. Maintenant jeune dans lundi soir m'a dit la journée nous reprend jeune encore. Ni a lui pas venir n'aller fort dimanche lui fort dimanche dit nous braler et tout monde yo dans mission yo dans bay carnaval pas gain monde qui pour recevoir nous dans bay carnaval n'a retourner dans jeudi me retourner avec yo bon mon petit papier marqué EMC on bay sous lui pour aller DCPJ le niveau DCPJ fait photo petite là et puis yo parler avec moi dit aller avec lui qui est trop tard yo pas gain temps aller bien-être social pour y aller dans. Je dis que je retourne vendredi, je retourne à 10h. Je suis venu trop tard, tout le monde est dans la rue. Je dis que je retourne encore. Nous retournons dans lundi 22. Dans lundi 22, de CPJ mène bien-être social. Bien-être social, bon mieux papier. Je dis que je retourne après un mois. Nous fermons un chapitre local là. Nous pouvons aller à l'étranger. Puis près là, quand nous dans le pays États-Unis. Et nous te disons tout dans gratitude Gary Conner qui c'est un principal conseiller président américain dans affaires économiques remettre démission li hier mardi à cause mes ententes li gagné avec Donald Trump sur question taxer importation produits acier à aluminium yo annonce un reportage à Pio News. C'était un des plus importants conseillers de Donald Trump. Gary Cohn a finalement décidé de quitter la Maison Blanche. Il avait été nommé pour conseiller le président en matière économique. Mais rapidement, les divergences sont apparues entre d'un côté ce banquier libéral, ancien numéro 2 de Goldman Sachs, et un Donald Trump qui défend un agenda de plus en plus protectionniste. Dernier exemple en date est certainement ce qui a motivé la décision de Gary Cohn, la volonté de Donald Trump de taxer les importations d'acier et d'aluminium. Suite à l'annonce de son départ, certains indices indiquaient une prochaine baisse de Wall Street. Toujours dans le pays États-Unis, le président américain Donald Trump a dit qu'il paraît pour être capable de faire un dialogue sincère avec la Corée du Nord. Il a salué Chita Palé qui prévoit fête entre deux Corées. Euronews pour plus de détails. Officiellement, le président américain a bien accueilli les nouvelles du sommet intercoréen. Il a salué les signes d'ouverture du régime de Kim Jong-un, qui se dit prêt à aborder la question de la dénucléarisation. Interrogé sur ce rebondissement après des mois de tensions qui faisaient craindre le pire, Trump s'est exprimé pendant la visite du Premier ministre suédois. Je pense que les déclarations venues du Sud comme du Nord sont très positives. Nous avons été loin sur le plan rhétorique avec la Corée du Nord. Ce serait bien pour le monde, ce serait bien pour la Corée du Nord, bien pour la péninsule, mais nous verrons ce qui va se passer. Le sommet entre les deux Corées devrait avoir lieu fin avril dans la zone démilitarisée. La Chine, les Nations Unies appellent toutes les parties à saisir cette chance. Mais quelques heures après la conférence de presse, Washington annonçait de nouvelles sanctions économiques contre le régime nord-coréen pour avoir éliminé Kim Jong-nam en utilisant un agent neurotoxique classé comme arme de destruction massive. C'était en 2017 en Malaisie, le demi-frère de Kim Jong-un était tombé en disgrâce auprès du régime. C'est sous dernière information, ça, n'a fait mes journaux la matin. Mais avant que nous travaillions, permettre que nous rappelons grand point qui domine l'actualité. Programme Kaipam Éclairé arrivé dans la commune Anse-Rouge à zone Bédourange. Un programme qui rentre dans le cadre de la vision président de la République, Jovenel Moïse, pour faciliter la population haïtienne dans la diverses raccourcis dans le pays, gain accès à courant électrique.
Membre commission éthique et anticorruption dans le Sénat République la Chita Palé Ayemadi, Simasla et ministre économie et finance, Judas Alex Patrick Salomon, qui était avec le directeur général de la direction générale impôt DGI, Mirade Morland, dossier contrebande en fraude fiscale et dossier franchise douanier, tenant dialogue. Police nationale d'Haïti organise mardi 6 mars là dans l'Académie nationale de police là sous frère Pétionville un atelier sensibilisation sur violence qu'a fait sous forme actif dans le pays d'Haïti. Atelier si là qui a pour objectif de provoquer une prise de conscience en mettant divers acteurs dans la société haïtienne. Et puis à l'étranger, Gary Conan qui est conseiller économique président américain remettre démission li nan poste li a yemadi. C'était un pi important conseiller Donald Trump démission sa longue liste personnalité qui quitte bateau administration Trump là. Nous te contacte ensemble avec vous pour te capable porter toutes informations ça pour vous. Li rete seulement pour capable souhaiter passer un très bon mercredi sur télévision nationale d'Haïti.